La dernière fois, une fois que j'étais parti avec Gringo, Ringo, je sais plus trop bien son nom, on devait aller trouver la résistance pour essayer d'aller. Enfin, moi, j'aimerais libérer Jackson des griffes des veilleurs. C'était assez mal parti parce que on s'était à peine enfoncé dans une forêt que on s'est fait attaquer par une espèce de saloperie, un requin des terres, presque j'ai compris. Apparemment, sa dentition est plus résistante que ma carapace, alors j'étais mal barré. Et heureusement, tout d'un coup, il y a 4 personnes qui sont arrivées. Il y avait un ours. Je me souviens plus trop comment elle s'appelait, mais quelqu'un de bien, apparemment. Il y avait aussi un singe. Il y a un singe qui fait tout le temps des blagues. Il n'a pas l'air de prendre tout ça au sérieux. Mais bon. Il nous a sauvés. Il y avait un renard qui est plutôt resté derrière. Et puis, il y avait un rat. Un rat... Comment dire ? Pas le plus sympathique de son espèce, mais bon, c'est un rat. Ils nous ont sauvés des... Je dirais pas des griffes, mais plutôt des ailerons de ce requin. Et ils nous ont amenés... Enfin, l'ours, apparemment, a amené tout le monde voir un autre ours, plus grand. Il y avait un autre nom, qui s'appelait Flaubert, je sais plus... Et personne m'aide, donc c'était le chef de la résistance. Truffaut, voilà. Oui, ça ressemble à Flaubert, de loin, mais un peu. Et c'est parce que j'ai l'ouïe et la vue qui commencent à baisser à mon âge, faut me comprendre. La mémoire. Donc du coup, Truffaut, apparemment c'est le chef de la résistance. J'ai pas tout compris ce qu'il nous a raconté, mais... Moi, je voulais aller sauver tout de suite Jackson, mais apparemment, il faut faire plein d'autres choses avant. Je pense qu'on est mal parti. Heureusement que on vit longtemps dans mon espèce. Notre première mission, c'était d'aller chercher un truc chez les chiens. Apparemment, une arme. Bon. Les chiens, on peut pas dire que ça soit les meilleurs d'entre nous. Mais... Ils sont un peu trop copains avec les veilleurs, si vous voulez mon avis. Pour ça, je me méfie un peu du renard de notre groupe. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et du coup, on est parti chez les chiens. On a essayé de se faire passer pour des marchands. Mais, bizarrement, il y avait des loups à l'entrée qui ont laissé passer que le renard, comme par hasard. Et Ringo. Parce qu'il avait l'habitude d'y aller. Donc avec le rat et le gorille, ou l'orang-outan, ou je sais pas, un singe, de toute façon, on est reparti. Le rat a réussi à se faufiler. Bon, normal, c'est petit, un rat, il est passé en dessous de la barricade. Et nous, on est parti attendre. Du coup, je me suis posé, j'ai taillé un petit bout de bois pour mes prochaines augures, et l'orang-outan, je sais pas ce qu'il faisait, il mangeait ses poux, il avait la tête à l'envers, je sais plus, enfin, de toute façon, je m'en suis pas occupé, de toute façon, il est bizarre. On a attendu comme ça toute la journée. Et maintenant, c'est la nuit, on va essayer d'aller s'infiltrer, je sais pas pour qui me prennent, je suis une vieille tortue de 150 kilos, l'infiltration, c'est un concept, mais bon, on va y aller. Effectivement, la nuit est tombée. Sur le démur, Gueule Blanche, vous êtes, ainsi que accompagné de Ringo, vous êtes sorti prévenir les autres. Si je ne dis pas de bêtises. Hein. Vous étiez sorti rejoindre les autres pour leur indiquer vos découvertes. Car vous avez fait des découvertes. On avait envoyé Ringo, non ?
On n'était Ah pas oui, sortis, nous. vous étiez resté. C'était le plan, effectivement. Le plan, c'était que vous vous attendiez à l'intérieur. Il me semble bien que c'était ça qu'on avait décidé à la fin. On envoyait Ringo leur expliquer et on donnait rendez-vous au niveau du grillage là, de la porte, Il me de la semble. fenêtre qu'on avait vue entrouverte là. Très bien. Ah, si l'Ariel a l'air pensif, il n'a pas l'air d'accord. Si, si, carrément, j'ai dit ouais, c'est, il me semble que vous avez raison. Si, si, Bon, c'était ben le c'est plan. bon, on est bon alors. Du coup, j'ai menti, j'aurais pu expliquer ce que vous avez fait, mais j'ai esquivé. Ringo arrive et vous explique. Donc, il y avait. Ils ont trouvé une entrée. Et puis, on pourrait se faufiler, il faut passer le grillage. Comme je vous ai dit. Ah oui, c'est vrai. Je vous l'ai déjà dit, même que la tortue voulait rester tailler des bouts de bois, je me souviens. Ouais. Mais tu peux rester tailler des bouts de bois, hein, si tu veux. Non, non, mais je vais venir. Faudrait pas Peut-être que tu plutôt merdes faire la le dé, mission. parce que vous avez une entrée assez grande pour moi. Ben, si je passe, tu passes. Ouais. Bah, allons-y. Et puis si Laurent autant il passe, tu passes. Non, mais c'est. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais niveau agilité, on n'est pas vraiment logé à la même enseigne. Ben, t'es pas tout à fait empoté, si t'es empoté. Alors, empoté, nous, mais disons que je grimpe pas aux arbres. Ah. Bon, on y va ou quoi? Ça tombe bien, il faudra grimper sur une clôture. Ok. Ça va être fun, allons-y. Bah ouais. Ou à moins qu'on coupe la clôture, je sais pas moi. Ils m'ont pas dit en fait. Ils m'ont dit tu viens. C'est vrai qu'ils m'ont pas dit grand chose. On va là-bas. Ouais, ils ont tout planifié. Hein. Ah oui, Ils avaient alors ça. l'air. Gueule blanche, il avait l'air super stratège là-bas. Ça m'a l'air d'être un plan vachement huilé. Ouais, j'ai connu mieux quand même, hein. Je dois avouer que. Rentre, on pique l'arme, on s'en va, quoi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Ringo? C'est pas mal. Oui, mais. Il fait un geste en direction du campement. Il dit, mais. Il y a encore des trucs qui bougent là-bas. Hein. Effectivement, quand vous regardez le campement. Enfin, tout le monde s'est pas mis d'un coup à dormir et à plus bouger quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore des. Vous voyez encore des mouvements dans l'obscurité. Il y a quelques lumières qui s'allument, principalement dans l'hôtel, il est vrai. Il y a un bidon qui semble toujours brûler près des carcasses de bagnoles entassées. Et puis. Il y a aussi toujours de la lumière vers l'entrée. Ah, tu me trouves le. Sans plus que ça observer. En tout cas, vous voyez que, au moins avec la lumière qui est à l'entrée, vous voyez qu'il y a, en tout cas dans les miradors, il y a toujours des vigiles. Il y a toujours des sentinelles. C'est ce que vous voyez de l'extérieur. Ouais, tu me trouves le coin le plus calme, Ringo, tu connais bien, et puis moi je passe la clôture à cet endroit-là. Hey, ils ont dit qu'il fallait passer près de la fenêtre. Ah bah voilà, Derrière, parfait. dans le coin. Avec. Très bien. De votre côté, saule des murs et gueule blanche, que faites-vous? Pour peut-être préparer l'arrivée de vos compagnons ou... T'aurais pas envie de d'aller faire un repérage à l'intérieur avant qu'ils arrivent. C'est à moi? On n'est que deux. Tu veux dire à l'intérieur de la maison, c'est ça? Et je peux y aller? Ça permettrait peut-être de vérifier si l'arme est bien là. Allons-y, hein. Il n'y a personne à l'intérieur de toute façon. Je vais y aller. Je peux regarder de toute façon avant. Alors, Si, il n'y a si, il y a personne le à propriétaire. l'intérieur que tu saches si. Normalement, on vous a dit que
doit s'y trouver un certain Gargarine 11. Il y a le propriétaire des lieux. Qui quitterait pratiquement jamais le lieu, en fait. J'ai une question. Bon, j'y vais. Oui. Est-ce que ma prédiction de la session d'avant tient toujours? Oui, bien sûr. Ok. N'oublie pas, hein. Enfin, moi, non, mais moi, j'ai pas oublié non plus. Mais tu pourras la faire intervenir. Donc, tu y vas. Tu décides d'ouvrir la fenêtre. C'est bien ça? Elle était déjà ouverte, je crois. Oui, elle est entrouverte, cette fenêtre. Oui, ok. Je l'ouvre un petit peu plus alors. Je m'assure qu'il n'y a personne en dessous, quoi. Eh ben, tu veux me faire un test de furtivité? Papout me manque. Tu entrebâilles cette fenêtre et tu rentres. Tu tombes dans une pièce noire, sombre. Il y a un tout petit peu de lumière qui apparaît par la fenêtre que tu viens d'ouvrir. Et surtout, tu entends une respiration. Une respiration plutôt lente, un léger ronflement. Mais effectivement, à mesure que tes yeux s'habituent à la lumière, tu te rends compte que il y a un bureau, qu'il y a une porte menant. Enfin, c'est pas vraiment une porte. Tu penses que c'est un rideau. Ça bouge légèrement, qui doit mener vers d'autres pièces. Il y a une table. Avec des chaises autour, sans doute pour manger ou même peut-être enfin, ce genre de table. Et dans un coin, il y a un lit. Le lit est d'ailleurs juste à côté de l'entrée. C'est un vieux lit un peu à même le sol presque, un vieux sommier miteux. Et il y a un chien. Dort en boule sous une espèce de couverture et qui respire. Et tu l'entends? Que fais-tu? Donc il y a ce bureau, cette table, le lit et puis le rideau qui semble mener vers. Je cherche des yeux éventuellement s'il n'y a pas l'arme qui est genre posée en évidence. Si, et puis un rayon de lumière dessus aussi. Super. Non, effectivement. Ça devait être dans la vision de ton augure préféré, connu depuis une journée, alias Willem. Mais non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'armes visibles. Tu feras gaffe, Carthage, sur le stream, on voit pas les jets de dés, on voit les options. Ah bon? Que fais-tu? Je vais pas tenter le diable, je crois. Je suis pas un guerrier, genre. Je suis venu faire du repérage. Ah certes, tu veux me faire du repérage, mais j'ai envie de dire que tu te retrouves un peu dans la fosse déjà. Hein. Tu peux faire demi-tour, certes. Ou tu peux rester immobile. Ou tu peux progresser. Que... Libre à toi. Mais tu vois, quand même, maintenant que tu hésites, hein, t'es là pendant quelques secondes. Et tu vois ce chien qui il semble agité au son sommeil. Il marmonne beaucoup. Il fait beaucoup de bruit. Il semble... Fais-moi un petit test d'observation. Ouais.
Non, alors tu remarques que effectivement il a un sommeil agité. Il a un sommeil agité. Après, il fait très sombre. Je crois pas que tu n'as pas, non, tu n'as pas la vision nocturne. Je suis sûr, il est capable de me sentir dans son sommeil en plus. Ah ben, il a un flair animal, mais de même que le tien. C'est un chien, c'est vraiment un chien? Ah ben, dans le clan des chiens, tu trouves beaucoup de chiens. Attention, on est bien d'accord, c'est un chien, comme toi, tu es un rat. Enfin, dans le sens Oui, où, non, oui, voilà, d'accord, j'ai on est bien, compris. je parlerai jamais de réels animaux à quatre pattes, en fait. On parle que d'animaux mutants. Donc, c'est bien un chien. J'hésite à aller lui trancher la gorge, mais je suis vraiment sûr que c'est pas une bonne idée. Alors que tu hésites, dehors. Elios, deux. Que fais-tu, toi, dehors? Bah en fait, bon bah, si je me rappelle bien, la fenêtre est ici, de ce côté-là, là. Et que j'aurais Oui, réussi à... face nord, oui, Voilà. effectivement. Donc du coup, je fais un peu les navettes entre les deux côtés de la maison pour essayer de voir venir les différentes patrouilles. Très bien, tu vas me faire un test d'observation? Réussite. Tu vois que de temps en temps, effectivement, hein, il y a. Eh bien. Tu vois, il y a toujours quelques gardes hein, qui. Comme j'ai dit, ça s'est endormi, mais ça s'est pas forcément du jour au lendemain. Enfin, voilà. Il y a moins de monde, il semble avoir moins de gardes. Vous n'avez pas forcément observé plus que ça les gardes. Donc, voilà. J'ai une question. Il n'y a pas de couvre-feu la nuit, ici. Non. Mais tu remarques à un moment que, effectivement, tu as une patrouille qui continue de deux. Il y a un loup. Et un chien qui patrouille le long de la clôture. Ce qui veut dire que forcément, il passe aussi entre la clôture et le bâtiment. Et ils sont où là actuellement? Pour l'instant, ils vont arriver, mais pour l'instant, ils viennent de passer l'autre côté. Tu penses qu'ils vont passer derrière l'hôtel? Ça tombe bien, puisque pendant ce temps-là, de l'autre côté de la clôture, que faites-vous? Il y a Ringo, Ringo, faut y aller hein, maintenant, ils ont dit, hein, faut qu'on s'infiltre. Eh bien, je pense qu'on va se caler donc dans ce coin-là de la fenêtre, parce que ça a l'air pas mal, il n'y a pas a priori de lumière. Et on va attendre qu'une patrouille passe, et puis une fois qu'elle sera éloignée, je vais sauter par-dessus la clôture, moi. Enfin, je vais escalader la clôture. Il va falloir déjà qu'on s'approche. Je vais la toucher déjà. Voir si elle est. Eh bien, donc vous décidez de vous approcher de la clôture. C'est bien ça? Oui. La tortue aussi? Ouais. Oui. Bon, test de furtivité. Avec un bonus de plus 2 grâce à l'obscurité qu'il fait nuit. Alors, Oh, bah la tortue va me planquer. je regarde une petite chose, mais normalement, Je te fais rentrer dans ma carapace au dernier moment. franchement, j'en ai trop marre de fonderie, là, c'est pas possible. Il y a 7D, quoi. Vas-y. Ouais, mais T'es jaloux? t'as une chance sur 6 de faire un Euh, succès en fait. oui, justement, j'ai 7D, donc il devrait y en avoir un, quoi, dans les probas. Et là, ça commence à faire un certain nombre. Vu Moi, je qu'il n'y a trouve que que les ça va. 6 qui comptent, ça fait beaucoup de chances quand même de faire des échecs. Ah, 5 sur 6, mais j'ai 7 dés. Il devrait y avoir au moins 6.
sur un grand nombre de lancers, je te l'accorde. Bah, rappelle-toi les brouettes de dés que je jetais dans une autre réalité de Foundry. Et pourtant, on n'arrivait jamais à faire un succès. Eh bien, mon cher Willem, je vous approchais avec Rinko et Heisenberg, mais c'est vrai que Sancho est plutôt bruyant. Par chance, toi, tu es extrêmement furtif. Tu es une tortue. Tu avances lentement dans les herbes. Et alors que le singe avance, à un moment, heureusement, grâce à tes qualités, tu arrives à faire se baisser l'orang-outan dans l'herbe, alors que la patrouille est en train de passer. Mais il s'arrête, il reste un moment, ils observent. Vous voyez même leurs oreilles se dresser, se tourner un peu légèrement. Un qui lève un peu le museau. Ils ont l'air très perplexes, malgré qu'ils reprennent leur ronde, mais par plusieurs fois, ils se retournent dans votre direction et continuent. Et Rinko, il faut faire moins de bruit, si on veut. Il faut être discret. J'essayais de choper des bouts de tortue, mais il n'y en a pas. Concentre-toi. Eh ben on y va, allez, j'y vais, moi, je fonce. Ouais, fonce doucement. Vous arrivez donc à la grille. Vous apercevez Elios qui semble-t-il fait le guet. Vous ne voyez pas ce saule des murs qui est disparu. Eh bien, je grimpe la clôture, moi. Je vais rejoindre Elios. Tu vas-y. Tu dois faire un test d'escalade. Si vous voulez la passer. Alors, je crois que je peux dépenser un point de férocité. Je peux utiliser mon pouvoir animal. Quel est ton pouvoir animal ? Escalade. Tout simplement. Vous êtes naturellement guidé, vous pouvez escalader un arbre. Oui, vas-y, pardon. Vas-y, donc, voilà, vous pouvez escalader un arbre, voire un mur ou des parois. Alors, autant dire qu'un grillage, effectivement, c'est chose aisée. Je dois lancer un dé, c'est ça ? Oui. 3. Pas de souci. Tu dépenses donc un point de bestialité. Je t'invite à l'enlever. Ouais, je l'ai fait. Et effectivement, tu franchis avec aisance le grillage. Elios, vous avez trouvé l'arme ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Non ! Et elle est où la tortue ? Elle va pas passer comme moi. Faudrait un truc pour couper le grillage, mais ça va se voir. Alors, Elios, le problème, c'est que tu vois que la patrouille revient. Bon, attends, on va se planquer. Hop. Ouais ! Le temps qu'elle passe. La patrouille revient. Je me barre. Et je vais faire avant de partir, je vais faire un sorte de signe par la fenêtre pour essayer de faire comprendre à notre infiltré qu'il faut qu'elle se planque ou du moins qu'elle reste un peu plus à l'intérieur. Je vais passer ma main. Si je peux passer la tête. Tu peux certes faire éventuellement un signe par la fenêtre ou quoi que ce soit, mais c'est. Ça peut se remarquer, hein, attention. Je te préviens. Non, alors du coup, je vais partir avec le macaque, on va se planquer. Vous comment ça, vous cachez, vous vous éloignez, vous faites quoi ? Non, on va s'éloigner, tout simplement. Maintenant qu'on est à l'intérieur, comment qu'on tombe sur l'un des loups. Il y a des gens qui traînent, en fait. C'est pas mort, le camp. C'est pas totalement désert, mais c'est vrai que près des clôtures, il y a quand même relativement. Voilà, donc on s'éloigne de l'endroit un peu craignos. On va s'enfoncer dans les conteneurs, voilà. Et puis
Après, il y a beaucoup moins de monde quand même. Beaucoup de gens, enfin beaucoup d'animaux sont allés tout simplement dormir. Il y en a quelques-uns encore réveillés, mais le marché n'a plus trop lieu. Il y a quelques chiens qui vont et viennent apparemment de leur habitat, qui doit être les conteneurs, les caravanes et autres, vers le rez-de-chaussée de l'hôtel. Il y a de l'activité aussi au rez-de-chaussée de l'hôtel. Notre cher Elios sait qu'il y a un bar et un jacuzzi au rez-de-chaussée qui sont utilisés aussi bien pour se baigner que pour consommer. Et que c'est, en tout cas pour les chiens, c'est un genre d'accès. Les autres espèces, la plupart sont parties en fin de journée ou alors dorment, mais dorment un peu en extérieur avant de repartir. Ce sont que la majorité des récupérateurs voilà, qui étaient venus faire du commerce. Après, ça reste beaucoup plus calme. Effectivement, il y a beaucoup moins de monde. Mais c'est pour ça que je vous demande si vous vous éloignez ou si vous vous cachez. S'éloigner, vous pouvez passer inaperçu. Voilà. On s'éloigne, on va se mettre au niveau des conteneurs. Vous éloignez. Très bien. Et la patrouille est en train de passer. Et par contre, mon cher Willem, caché dans les herbes, non loin. Je te fais pas ref test de furtivité, hein. Tu as fait quand même un beau test. Mais tu entends. Ah ouais. Je te dis, ça me plaît pas. On a entendu du bruit. Continue. Peut-être un. Pense à quoi? Quelqu'un viendrait? Ah non, c'est une bête qui rôde, un monstre. Faut se méfier, même de nuit, on sait jamais. Qu'est-ce qui peut traîner? Peut-être, je sais pas, un requin terrestre, des sauterelles tireuses ou des serpents mille pattes, que sais-je, saloperie quoi. Faut toujours méfier. Pire, peut-être une lucarne, un géant. Et puis, on te dit, bah, attends, tu me parles que de bêtes énormes. Ça se verrait dans la nuit. Il l'aurait vu dans les miradors. Il renifle. Bah non, ça sent pas la lucane. Ça sent le singe. Puis il rigole. Puis il renifle. C'est vrai que ça sent le singe. Mais vu que éventuellement il y a. Vous avez même vu qu'il y a d'autres. Il y a des singes présents. Il y a à peu près toutes les espèces, comme je vous ai dit, qui sont ici au marché. Ça semble pas étrange. Il repasse, mais. Tu sens que qu'il y en a un en tout cas qui est méfiant et qui a l'air tendu. Il dit ouais, tu rigoles. Mais... Faut être vigilant ce soir. S'il y a un problème, tu sais bien que la Laïka, ça va nous tomber dessus. Elle va nous tomber dessus et ça ira pas. Et puis ils continuent leur ronde. Et Ringo, c'est maintenant, je te fais la courte échelle. Faut passer. On va essayer. Allez, c'est parti, maintenant. Y a Ringo qui essaye de te soulever. T'as un bonus de plus 1 grâce à Ringo, test d'escalade. Enfin, si tu veux passer, hein. Bah, t'as le droit de dire, mais finalement, non. J'essaye un peu, je dis, ah, ça... non, j'y arriverai pas. Ah non, ah non, non, c'est un échec. C'est pas, j'y arriverai pas. Mais nous, c'est pas un échec que quand on pousse. Ah on pouvait pas retourner un de. Échec, c'est un échec. C'est-à-dire que si on tu pouvait restes pas comme ça, l'aider, c'est un échec. De notre côté? Bah non. Bah il y est allé comme ça. Comme ça. Tu pousses ou pas? Bah non, si tu oh bah, rates, là c'est un échec. Si c'est un échec, autant pousser. Ah oh bah oui.
Toujours pas. Et non, ce n'est pas un simple échec, c'est tu rigoles, essaie de te lever, tu commences à monter la grille, puis en fait tu tombes en arrière et tu tombes en partie, c'est Ringo. Lui aussi tombe et puis vous entendez, vous en êtes tous un. Les autres, vous entendez un cri, le cri de Ringo qui vient se faire écraser par une carapace. Et vous n'êtes pas le seul parce que y a Elios et tu vois la patrouille qui arrive en courant en fait. Dans la direction d'où Willem et Ringo étaient. Est-ce que toi tu fais quelque chose? Est-ce que... Ouais, Elios d'abord. Après, s'il fait quelque chose, après effectivement toi tu devras. Ah mais non, je suis con. C'est un cri qu'ils ont entendu. Putain, j'allais chercher une bagouille, mais pas du tout en fait. Ah oui, bah, c'est vrai. Bah, si je vais essayer de simuler un truc, je vais trouver un sorte de bidon ou un truc, je vais simuler que je me suis fait mal dessus. Alors, explique-moi exactement ce que tu fais. Je suppose qu'il y a tout un tas de détritus qui traînent un peu partout. Oui. De déchets déchets non, autres bah non. Et en tout genre. Bah non, c'est pas une décharge. Bah, y a bien des planches qui traînent, quelque chose comme ça, non? Oh ouais, oui, sûrement une pierre, un truc, oui. Y a pas de grosses planches. Je vais tenter de faire avec une grosse planche. En fait, j'aimerais me la mettre sur moi, en fait, pour simuler qu'elle m'est tombée dessus, parce que voilà, j'ai fait quelque chose à détourner l'attention, quoi. Oui, eh bien, tu vas me faire un... On va voir si ça passe, mais tu vas me faire un test de domination. En fait. La Foundry qui est freeze sur le stream, Carthage. Ouais, mais ça freeze tout le temps. C'est pas... Faut que je le remette. Attends, j'ai un doute, c'était bien domination que t'avais dit. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pousses ou pas? Vas-y, je vais essayer. Tu commences Attends, il y a une couille là. De quoi? Ça a pas fonctionné. T'as pas fait normalement, j'aurais dû avoir mon troisième jet là. Troisième jet. Oui, parce que t'as relancé domination, t'as pas fait pousser. Si, mais est-ce que ton jet qui est parti avant serait pas cassé le truc? Normalement, ah peut-être. Non mais peu importe, garde-le. Toujours est-il que ouais, c'est qu'il y a un test partout. Non, ça fonctionne pas vraiment, mais ça t'occasionne pas forcément non plus de problème. T'as un regard noir du loup qui en passant à côté de toi, mais finalement il t'y prête pas plus que ça attention. Et il se dirige d'un pas rapide ben, dans votre direction. Tu les vois, mon cher. Mon cher Willem. Il s'approche, que fais-tu? Ah, bah, je prends Gringo par le col et on dégage le plus vite possible. Donc là, ça va être un test de déplacement. Faut toujours te mettre en déplacement. Et du coup, là, je voudrais utiliser mon. Ça marche pas là mon truc là. Si. Tu vois, je vais presque me faire repérer donc j'ai. C'est oui. 1 plus 1, hein, j'avais fait qu'une réussite. Oui. Tu es 1 plus 1. Ça tombe bien, je viens de perdre un 1 en agilité donc ça fait pas. Les boîtes d'eau en courant. Ok. Bon, ben les choses se passent tout à fait comme il faut. Alors.
l'un dans l'autre, tu commences à courir. Et puis, t'entends des chiens derrière toi. Enfin, les chiens, le chien et l'eau. Hé, qui va là? Et t'entends un bruit. Personne. Un espèce de sifflement. Et tu te prends un point de dégâts alors que tu viens de recevoir une flèche. De ton côté... Alors non, parce que j'utilise mon ma défense naturelle. Et donc j'utilise un point pour ne pas prendre ce dégât. D'accord. Ok. Ça rebondit sur ma carapace. De ton côté, ma chère... Ma chère Saul des Murs. Tout ce raffut ne va pas t'arranger. Parce que dehors, ça fait du bruit. Et, effectivement, je sais que tes amis influencent forcément ta situation. Et, effectivement, non loin, t'entends d'abord un cri, tu ne sais pas de qui, apparemment quelqu'un s'est fait marcher sur le pied ou une chose étrange comme ça. Puis, des gardes qui disent « Ah, qui va là ?» Et la silhouette devant toi qui était en train de te demander si t'allais l'éventrer ou l'étrangler se redresse, se met assise. Elle t'a pas vu, hein, attention. Elle se met assise et dans son lit. Et tu l'entends marmonner. Ah non, non, non. Ouais, au voleur. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, mais il a l'air plus préoccupé par ce qui se passe dehors, pas forcément à ce qui se passe à l'intérieur. Ceci dit, elle est réveillée. C'est un chien, un mâle apparemment. Tu vois une petite tête, tête un peu ronde, un museau écrasé. Que fais-tu? Allez, j'attends pas qu'il ait. Vous m'entendez là? Oui. Pardon. Ok, j'attends pas qu'il émerge. Enfin, je pense que j'ai toujours une pierre sur moi, non, pour la fronde, j'imagine. Oui. Bah, je prends ça et puis j'essaie de lui, au moins de l'assommer, quoi, de lui éclater sur la tête. Mais genre vite, quoi. Enfin, avant qu'il soit vraiment. Tu veux tenter de l'assommer? Il va falloir taper fort. Mais très bien. Tu vas me faire tu vas me faire un combat au corps à corps. C'est combat tout court? Oui. Bah ça dépend comment tu t'y prends. Ben. Tu lui bondis comme dessus. Comme ça. Tu lui bondis dessus parce que t'es pas tout près, donc tu lui bondis dessus, tu t'approches. Ouais. Enfin, non, je lui saute pas dessus parce que je veux pas perdre l'équilibre, mais je me précipite sur lui. D'accord. Donc ça va être un combat. Tu auras quand même un petit effet de surprise. Donc je t'accorde un dé de bonus. Mais. Et donc tu essayes de l'assommer. Il faut, tu veux le. Merci pour le dé. Est-ce que tu pousses ou pas? Allez. Sachant que pour l'assommer, si en fait, il faut que tu. C'est. Tu veux. Faut que tu lui. Fasse perdre tout son intellect, en fait. Tu ne sais pas combien il a en intellect, mais... Oui, je me doute qu'il n'a pas un. Oh, c'est un chien. Waouh. Alors. J'ai une petite pensée, quand même. Je me dis, putain, ils m'ont piégé, quoi. C'est pas possible. Avec tes 1 supplémentaires, tu peux... Vous maîtrisez ou éreintez l'adversaire qui subit
un point d'épuisement, ça c'est ce que tu veux faire. En fait, avec tes 1 supplémentaire, avec ton attaque, avec tes 1 supplémentaire, tu peux lui faire perdre un point d'épuisement. Tu peux gagner en initiative. Tu peux lui faire lâcher un objet qu'il tenait dans les mains. Tu peux le faire s'écrouler au sol, ce qui ne veut pas dire qu'il est inconscient, attention. Ou tu peux l'immobiliser votre adversaire avec vos bras ou votre mâchoire. Il faut réussir un test de combat pour se libérer. Ça, c'est avec tes 1 supplémentaire. Tu en as 2. Ou alors tu fais un dégât supplémentaire. À toi de me dire. Ouais, mais si je l'immobilise, ça va pas l'empêcher de crier, genre. Si tu le frappes, si tu fais un dégât, tu peux lui faire un dégât supplémentaire. Si tu le fais perdre toute sa vigueur, il est brisé. Ça veut pas dire qu'il est mort, hein. Je te rappelle. Donc tu me dis ce que tu fais. Comment ça? Non, mais si je fais un dégât supplémentaire, là, il est Tu genre, sais pas. il est... Ah, tu sais pas. Tu sais pas combien il a de points, donc tu sais pas, ça c'est du metagaming, donc à toi de voir. Mais alors, je peux avoir deux choix dans ces solutions-là? Oui. C'est ça? Un par dé? Ok. Ben, je vais l'immobiliser et lui mettre un point de dégâts supplémentaires, je pense. Très bien. Ok. Il tombe au sol alors que tu l'as que tu l'as maîtrisé et que tu le tiens. Dans la prestance, tu lui as frappé violemment, tu ponces sur la tempe, ça saigne, il respire toujours, il est pas mort, mais tu sens et tu le tiens, il a l'air complètement amorphe. Et tu vois, voilà qui tu vois, quand même, je te le montre. Dans tes bras, de petits rats, un chien. Et d'après la description qu'on t'en a donnée déjà, tu penses que c'est. Ben, tu as Gargarine. Dans ses mains, tombe aussi sur son matelas une cafetière. C'était ça l'objet qu'il semblait tenir un peu précieusement. Et voilà. En tout Mais cas, c'est tu l'as. ça l'arme que je dois. La cafetière? Non. Alors, une cafetière, c'est pas trop une arme. Hein. Une cafetière, ça sert à faire du café. Au cas où. Non, toi tu cherches un fusil IEM, c'est assez différent. C'est toujours freeze. C'est refreeze. Oui, mais c'est à chaque fois que je ferme, mais ça reviendra, c'est Faut pas pas grave. fermer. Oui, bah si, je suis obligé, j'ai peur d'autre chose. Ça reviendra, c'est pas grave. Et donc. Pendant ce temps, à l'extérieur, Elios Heisenberg, que faites-vous? Parce que Bah moi j'ai le problème, c'est que le bruit là, enfin, de toute façon, Elios, toi tu connais le clan, ils vont pas en rester là, quoi. Ça va. Enfin, ils vont pas se dire bon c'est bon et puis tout va bien se passer dans quelques temps, il va avoir beaucoup plus de gardes, c'est évident. j'aimerais bien profiter de l'agitation pour m'infiltrer dans la maison, quoi. Moi qui check vers à Willem. Ben très bien, ben, je te fais tu rentres dans la maison, c'est ça? Ouais. D'accord. Elias, toi, que fais-tu? Alors non, j'avais pas du tout la même idée.
Donc je pense que je vais voir le macaque partir dans son idée. Et toi? Non, moi je comptais vraiment rester à l'extérieur, voire même me faire plus petit encore, m'éloigner déjà du truc. Je pense que quand je vais voir Heisenberg partir, qu'est-ce que tu fais? Non, reviens de ma caille. Elle est l'alarme. Mais. Bah alors que toi tu t'éloignes vers plus ou moins vers l'hôtel, le marché, tu vois Sancho, hop. Qui se précipite vers la maison et tu rentres. Et donc, je fais pas de test en fait de furtivité. Les gardes sont plus occupés pour l'instant vers ailleurs. Et tu rentres à l'intérieur du bâtiment où tu peux voir Saul des Murs qui a maîtrisé, semble-t-il, le propriétaire des lieux. Je siffle silencieusement pour lui témoigner mon respect. Bien joué! T'as trouvé le fusil? Et c'est la tortue qui a tout détruit. Viens, on cherche le fusil. Je me mets en quête du fusil, quoi. J'essaye de tout renverser des affaires de l'autre, sans faire plus de bruit qu'à l'extérieur, quoi. Tu veux pas assommer le gargaril, là? Oh, tu l'as à ta main, j'ai l'impression. Ah bah là tu il est il semble hors combat et inconscient. Je peux l'attacher quand même. En fait quand tu arrives à Heisenberg, toi tu vois sur des murs qui le tient comme ça un peu. Tu l'as saisi par derrière pour le maîtriser. Il est inconscient et en fait tu vois que ça saigne beaucoup, mais en fait parce que par le choc, il a été tellement violent avec la pierre qu'en fait, elle lui a frappé, non pas dans la tempe, mais légèrement sur le côté. Elle lui a percé l'œil, en fait. Bien joué, mais oui, c'est un peu sale. C'est pas ce que je voulais faire, je suis tellement désolé. Ah bah, t'as tapé fort avec ton caillou. Hein. J'ai le droit de faire quelque chose, moi, pendant ce temps-là? Oh, bah toi, on va y venir, effectivement. Non, bah, moi, je pense qu'on fouille avec, avec Saul des Murs, hein, a priori, hein, qu'est-ce que t'en penses? Donc vous commencez à investiguer. On en revient à Shelby. Oui, effectivement, Shelby, tu es avec Ringo. Avec Ringo, vous avez commencé à vous éloigner, il y a une flèche qui a sifflé, et, par chance, qui a frappé ta carapace. Et tu entends crier, mais un cri qui est un cri de loup en fait, sonnant l'alarme en fait. Et que fais-tu? Ben moi, je me dis, de toute façon pour moi, ils vont venir. Mais quitte à ce qu'ils viennent, autant que je fasse le plus de bordel possible pour que les copains à l'intérieur soient tranquilles. Du coup, je me barre en criant et en essayant d'utiliser l'avance que j'ai pour me cacher dans les fourrés ou je sais pas. Alors, si tu cries, tu pourras difficilement te cacher. On est bien d'accord. Ouais, mais il y avait des arbres, pas loin. Et pas loin. Ah, si, loin. Ah bon. C'est, enfin, pas loin, c'était quand vous marchiez tranquillement pour vous éloigner. Là, tu les trouves beaucoup plus loin d'un coup, tu vois. C'est. Tu cries? Oui, oui, de toute façon, oui. D'accord. Tu cries pour détourner l'attention. Ça va sans doute marcher, mais. Ça va même marcher sans autre test de ta part. Par contre, effectivement, tu te signales ta position. Donc, tu ne pourras pas te dissimuler. Et nos flèches sifflent. Et vient se planter juste à côté de toi.
Ringo hurle à côté de toi. Bon Dieu! Et en plus, juste après, il a un cri de douleur. Lui-même vient de se faire toucher par une flèche. Se gonfle. Il dit, arrête de crier! Faut qu'on se cache! Tu vas nous faire crever! C'est toi qui crie là! Bah oui! Mais c'est ta faute! C'est quelle idée, cette tortue! Et lâche ton caddie là, cours! Ah, il avait pas pris son caddie. Son caddie, il l'avait dissimulé dans un peu plus loin, dans des fourrés. Elios, tu vois en tout cas que la technique de Shelby, je sais pas si elle marche, mais en tout cas, effectivement, il y a du monde qui sort, puisque les gardes qui n'étaient pas en faction, mais plus de repos, sortent de l'hôtel. Ce ne sont pas les seuls, hein. Effectivement, le problème, c'est que dans ce genre de situation, c'est pas que les gardes qui interviennent. Hein. Tu vois qu'il y a des chiens, du clan, même qui ne sont pas des guerriers, peut-être des chasseurs et autres, qui commencent à se demander ce qui se passe. Et qui se saisissent d'armes, forcément, et qui commencent à surveiller un peu autour d'eux. C'est un peu tendu. La situation semble un peu tendue et il y a des questions. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je me mêlais à leur groupe pour l'instant. Ces gens-là qui se préparent, on va dire, à se renseigner sur ce qui se passe. Et en fait, toi, t'entends le hurlement. Le même hurlement qu'a entendu Shelby tout à l'heure. Et ça, c'est un hurlement, tu le reconnais. C'est un cri d'alarme. Donc un cri d'alarme, c'est un... C'est un pouvoir animal, hein, cri d'alarme. Et vous comprenez tous ce que ça veut dire. C'est marqué. En gros, le cri indique des intrus. Voilà. Donc c'est. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, Elias, ou pas? Oui, bah en mêlant un peu de ces gens-là là, qui veulent connaître en fait les faits. Je vais essayer de nouveau me rapprocher de la bâtisse, un peu me coller au grillage en me demandant qu'est-ce qui est en train de se passer, regarder... Alors, je répète, hein, autour de la clôture, il n'y a personne. Les gens ne s'approchent pas spécialement de la clôture. Ah, il n'y a plus personne au niveau de la clôture. Ah, si. Ah non, au niveau de la clôture où Willem a fait du bruit, si, il y a toujours les deux gardes et ils sont en train de prendre des flèches et ils tirent par-dessus la clôture en direction d'une tortue qui braille. Mais... Ouais, voilà, mais pour l'instant, il n'y en a aucun d'entre eux qui a franchi la clôture ou qui s'est. Qui s'est. Courir après. Ah. Si. Mais pas ceux qui sont de ce côté-là. Mais sans doute à la porte, il y en a qui ont dû bouger. C'était pas... Je vais aller voir justement, tiens, comment les gardes ont bougé suite à ça. Maintenant que les autres ils sont à l'intérieur, je vais commencer à réfléchir à comment les faire sortir de là. Donc je vais un peu me mêler à la confusion générale en fait. En regardant un peu en direction de la porte, tu vois qu'effectivement il y a deux gardes qui sortent. T'as deux loups qui se sont mis à courir et à passer la porte. Et tu vois que les deux sentinelles postées dans les miradors forcément scrutent en direction. Ben des fuyards. Peut-être que justement tout ce bruit va permettre à nos chers cambrioleurs de pouvoir investiguer tranquillement. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans cette pièce, je vous rappelle, il y avait une table et des chaises, un bureau, le lit avec de votre victime, qui est toujours en vie, hein. Et qui est pour l'instant inconsciente malgré sa blessure et
Que vous et un rideau qui doit mener vers sensiblement le reste du bâtiment. Que faites-vous? Enfin, moi, je vais faire le reste du bâtiment, je pense. Hein. Il n'a pas dû mettre ça dans sa chambre. En tirant le rideau, il fait toujours sombre, hein, mais tu es dans un couloir. Tu aperçois une porte sous laquelle il y a de la lumière, un peu légèrement. Tu penses que ça mène vers l'extérieur. C'est la porte d'entrée. Tu vois également plusieurs portes. Dans ce hall, tu as une porte sur ta droite et deux portes face à toi, tout simplement. Tu vois la même chose, ma chère, mon cher, sous les murs. On se répartit les portes ou quoi? On écoute évidemment si on entend des bruits. Ah ben vous entendez plein de bruits, mais ça Non, sent mais des bien, bruits qui surtout seraient à de... l'intérieur, quoi. Non, intérieur, il n'y a pas de bruit. Bah, moi, j'ouvre la première porte, je sais pas, celle à gauche devant moi. À gauche devant toi. Très bien. Et sur les murs. On fait tout de suite. Moi, j'allais dire, je fouille le matelas, mais... Toi, tu t'acharnes sur le matelas? Ouais. Enfin, je sens s'il y a quelque chose dedans ou pas. Ah bah tu commences à fouiller le matelas. Sur le matelas, il y a une cafetière qui était tombée. Mis à part ça, il y a, semble-t-il, des ressorts un peu défoncés et c'est tout. Ok, j'avoue, je suis déçu. Oui, effectivement. Tu rentres dans une pièce où il y a pas mal de bric-à-brac, mon cher Sancho. C'est rempli de pas mal de choses. En fait, je vais tenter, tu vois, d'ouvrir les trois pièces, quoi, voir laquelle sera la plus propice, et puis je vais en fouiller une. Voilà. Ah bah tu changes de pièce. Si tu prends la porte, l'autre pièce, bah c'est pareil, tu retombes dans une pièce où il y a encore plus de choses. Un amas de briques et de brocs. Oh la vache. Et l'autre, c'est pareil, ou ça mène vers l'extérieur? Il y en a une qui Enfin, mène vers l'extérieur, mais elle est flagrante. Et la l'autre, alors. dernière, c'est une pièce beaucoup plus petite. Tu vois ce qui semble être peut-être un genre d'écuelle surélevée, qui devait être blanche. Et puis une écuelle D'accord. beaucoup plus basse, mais qui ressemble à un siège. C'est bizarre. Et là encore, il y a des objets, mais les objets sont beaucoup mieux rangés. Bah, je fouille là, alors vas-y. J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc qui ressemble à un putain de fusil. Oh, mais il l'a mis où, bordel? Tu me lances un des six, s'il te plaît. Tu commences à fouiller. Et tu trouves. Effectivement, le lieu est... Ah! Excuse-moi. Non, cette porte est fermée à clé. Rembobine, ok. Ah, ça m'intéresse. Mais Est-ce que je peux... c'est une bonne information quand même. Effectivement. Écoute, la jauge, je vais me lancer dedans de toutes mes forces avec mon épaule. Je suis énorme, ça te pas, non, ça te pas, ça. Non. Énorme, non. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Après, Bon, après, j'ai une hache et tout. Hein. Vas-y, je la défonce là-dedans. Saul! Bon, remarque, il va pas m'aider. Hein. si tu peux faire, tu vas me faire un test de force. Ouf. Bon, il y a une réussite, mais je ne pousserai pas celui-là. La porte se brise. Avec un certain fracas.
te dis que c'était peut-être pas la manière la plus discrète, malgré le brouhaha qui règne dehors, sur le coup, tu te dis qu'il va peut-être pas falloir traîner. En bah, tout je cas, me dis déjà là, donc ça va. Tu vois des objets. Tu vois plusieurs objets qui semblent très alléchants. Sans doute que cette pièce sert à entreposer les objets les plus intéressants qui étaient en la possession de Gargarine. Et tu vois le fusil. Il est. Saul ! Il est là. J'essaie de mettre dans mon sac ou je sais pas quoi le max de trucs sans que ce soit suspect, quoi. Voilà. C'est des objets un peu trop gros, bah tant pis. Et puis je vais rejoindre Saul. Tu vas me faire un. Voir dans la précipitation, tu prends le maximum que tu peux et. Enfin, le fusil sûr. Après, les autres. Oui, oui, tu prends le fusil sûr et tu vas me faire un test d'agilité pour voir un peu la rapidité dans laquelle tu es. Ça se pousse, ça, ou pas? Oui, tout se pousse. Sans déconner. Tu te saisis du fusil, d'un autre objet, et puis... T'es stressé, tu t'essouffles beaucoup et dehors et d'un coup t'entends frapper à la porte un point assez énergique. Gargarine, il y a des intrus, tout va bien. Eh bien, je me dirige vers Saul. Vite. On se casse. Faut se barrer. Ils sont à la porte. De votre côté, dans la prairie, de votre côté dans la prairie, mon cher, ma chère tortue, tu vois que des torches sont allumées, tu vois des, ils sont un peu loin parce qu'ils sont sortis par la porte, semble-t-il, mais tu vois que des chiens sortent du campement, de leur camp. Et au moins t'as attiré l'attention, c'est sûr. Est-ce que tu veux continuer à attirer l'attention ou... Non, je veux me barrer. Tu vas me faire un jet de déplacement. Tu as un bonus de plus 1, étant donné que tu as pris quand même un peu tes distances. Allez. Très bien. Tu arrives à t'enfuir, arriver sous le couvert des arbres et sans doute assez éloigné, tu vois que tes poursuivants s'arrêtent et ne cherchent pas à continuer au moins dans l'obscurité et la nuit. Et je regarde un peu aux alentours, tu vois les torches à un moment te chercher, mais par chance ils ont perdu de vue. Elios, que fais-tu, toi? Après, tu vois une patrouille qui s'en va, mais au bout d'un moment, tu la vois qui continue plus à tourner autour du camp. Tu vois, mais tu vois que effectivement, la surveillance est un peu à augmenter. Il y a plus de gardes qui sont levés, il y a plus de gens réveillés aussi suite à ça. Et tu vois que il y a quelqu'un qui frappe à la porte d'une main vigoureuse contre la porte de la réserve. Le problème, c'est que tu connais cette personne. Cette personne, c'est Spoutnik 07. Et Spoutnik 07 n'est autre que le garde du corps et le chef de la garde de Laïka 09.
Et autant dire que s'il laisse cette place-là, c'est pas parce que c'est un gars très tendre. Surtout un loup, pas tendre. Alors, je vais pas aller à la rencontre de cette montagne de muscles. Par contre, je vais tenter de retourner vers la fenêtre là, par laquelle sont passés les deux autres, pour tenter de les extraire de là. Alors, comment veux-tu tenter de les aider? Exactement. Mon but, ça serait qu'une fois qu'ils soient sortis de cette fenêtre-là, les attraper et de les ramener le plus rapidement possible au milieu du campement. Après, j'ai d'autres idées pour la suite, pour les faire sortir, mais... Alors, réfléchis bien parce qu'il va falloir me détailler. Parce que comme Ah. tirer deux personnes par la main, c'est une idée. Ça, c'est une idée. Le truc, c'est que vu que tu m'as dit que ça s'était dégarni à la porte principale, je me suis dit qu'il y aurait peut-être possibilité quand même qu'ils sortent par là. Alors, il y a toujours les gardes sur le mirador. Tout à fait, mais ça reste toujours moins que ce qu'il y avait de J'ai base. pas dit que ça s'était dégarni sur la porte principale. J'ai dit que des gardes étaient sortis par la porte principale. Ah, donc il reste Au encore ceux qui contraire, étaient je en t'ai dit faction. qu'il y avait plus de gardes maintenant présents dans le camp. Ah, j'avais pas pris ça comme ça en fait. Ah bah si. Au contraire, c'est pas du Alors. genre à se dégarnir là trop, en fait. C'est plutôt le contraire. Ok, bah du coup, non, ça va être de les évacuer le plus rapidement possible, leur faire repasser le grillage le plus rapidement. Pas de retour dans le camp. Non, français, je pensais qu'il y avait plus qu'en fait les deux gardes dans le mirador, j'avais pas pris en compte qu'il y en aurait d'autres. Alors à l'extérieur maintenant, il y a des gardes hein, qui circulent. Je te rappelle qu'ils cherchent la tortue et le lézard. Ils ont des torches et tu vois des torches se balader. Bon, bah, il va falloir les sortir, hein. Ils vont pas rester ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Dans tous les cas, je vais les réceptionner à la fenêtre. Très bien. Tu me lances un D66, mon cher orang-outan. Moi? Oui. 66. Bah, tu relances. Ça me plaît pas. 15. 15. Attends, je dis de la merde. Non, Si c'est 50. j'ai 15 aussi. Ouais. Tu me dis plus ou moins? Au choix. Je sens que c'est important. Allez, j'ai Non. envie de dire plus parce que je suis dans le D'accord. positif, moi. Plus, très bien. T'auras plus. D'accord. Je vais me mettre dans ce que tu as récupéré comme artefact. En plus du fusil EM, je vais te le mettre. Moi, quand on sort, enfin après, il y a peut-être un jeu à faire pour sortir, je pense. J'attends. Mais devant la fenêtre, je dis à Saul, tu prends le fusil et tu creuses. Comme ça, on sort au moins, notre mission sera réussie, même si je me fais choper. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça marche. Vous allez Je peux me faire faire ça. un test de furtivité pour sortir, tous les deux. Et c'est la fin de la campagne, merci. Je peux boire un coup avant de faire mon test de furtivité, tu vois, genre une... C'est là dont à la hackéfounderie, je Saul des résiste. murs passe Impressionnant. avec le fusil, tu lui as filé le fusil, hein, je rappelle. C'est ce que tu m'as dit, hein. On est bien d'accord? Eh ouais, mais carrément. Tu lui as filé le fusil, hop, elle passe. Tu vois Elios, Saul des murs, qui arrive à côté de toi. Et Elios, alors que tu les attendais, tu vas me faire un test d'observation. Et Heisenberg, oui, tu peux toujours voir. Hein. Tu passes. Ils doivent être concentrés. Ils doivent vraiment concentrés sur l'extérieur, pas forcément sur l'intérieur. Et voilà. Elios, autant être franc, tu observes effectivement tous les regards et tous les
Les attentions sont surtout portées pour l'instant vers l'extérieur. Et surtout de ce côté-là. Ça semble vraiment pas une bonne idée. Pas forcément de sortir, effectivement. Ce serait peut-être bien de sortir. Surtout que. Comment? Il y a toujours un loup qui tape et qui appelle Gargarine et qui commence sans doute à s'impatienter. Et qui va remarquer qu'il s'est sans doute passé quelque chose à l'intérieur de la réserve. Mais sortir en tout cas sur de ce côté-là, c'est une très mauvaise idée. Enfin, les chances de succès sont très très faibles. Mais du coup, je vais les faire passer. Je vais essayer de leur faire traverser le camp pour atteindre. Il y avait un lieu où justement Saul avait déjà créé un trou, il me semble. Oui, c'était juste à côté d'ici, je crois, non? Pour moi, c'était par là, il me semble, non? Ouais, mais elle remet la terre derrière elle, donc son trou n'est pas. Ah merde, autant pour moi. Refaire un tunnel. De toute façon, il va être évident que ça, c'est évident pour vous. C'est au bout d'un. Enfin, dès que le vol va être découvert, on va chercher on va chercher un fusil IUM. Hein. C'est pas quelque chose qui court. C'est pas vraiment le truc qui court les rues. Après, le fait. Finalement, il y a peut-être que Saul qui a besoin de partir. Libre à vous de. On va traverser le. On va traverser le campement pour au moins essayer de faire passer Saul avec le fusil. Plus de ça, c'est le plus petit d'entre nous, donc il y a peut-être plus de chances qu'il se dissimule ensuite dans les hautes herbes, quoi. Oui, et puis je crois que je suis assez. Enfin, j'ai pas mal en furtivité. Sont comme ça, perdons pas plus de temps. Si Spoutnik arrive, on est mal. Vous avez mis tous les deux, Heisenberg et Algernon, 84, les artefacts que vous avez trouvés. Enfin, les artefacts. Algernon, c'est un fusil IEM. Donc, tu as un fusil IEM. Donc tu dites-moi, Saul. Que fais-tu? Bah du coup, je t'ai dit, on traverse le campement pour faire passer Saul, comme il avait fait la dernière ouais, fois. Ouais, vous traversez le campement et. Bah moi, ce que vous faites, bah on oui, fait passer Saul sous le mur. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand Saul commence à creuser? Alors par contre, moi, je vais me planquer dans le camp. D'accord, tu vas te planquer dans le camp. Saul, tu passes au niveau... là? Bah, je passe là où me laisse Gueule Blanche. Ah, c'est ça, il est là. Bah, moi, je vais tenter de franchir la clôture ailleurs, comme ça ferait une autre piste. Genre derrière le grand bâtiment, je sais plus comment il s'appelle. L'hôtel, okay. Voilà. D'accord. Donc vous vous séparez. Là, on va se planquer dans la foule. L'autre creuse et l'autre escalade. C'est bien ça? Ouais. Ok. Tous ceux qui... Déjà, vous devez dépenser. Tu utilises ta compétence escalade, mon cher Orang-Outan? Bah oui. Donc vous dépensez un point de bestialité, vous lancez tous les deux un dé. Saul doit dépenser un point de bestialité également. J'ai pas lancé de dé tout à l'heure. Ah, t'aurais dû. Très bien. T'aurais dû. Lance pour voir quand même. C'est bien, ton honnêteté. J'aime ton honnêteté, mon cher. Et ben voilà, pas de problème. Ok. Eh bien, très bien. L'un escalade le mur, l'autre commence à creuser. Helios part dans les foules. Et par contre, vous me faites Saul des murs et son chaud. Vous me faites tous les jeux un test de furtivité avec un bonus de +1
tu as l'obscurité. Il est que de plus 1 et plus de plus 2, puisqu'il y a quand même un peu, on va dire, des tensions qui se font que les gens sont un peu plus vigilants. Saule des murs, s'enfuit, tel un. Mais allez, mais je m'en vais, quoi. C'est tel les nombres. Hallucinant, quoi. D'idées. C'est fou. C'est vrai qu'il t'aime bien, quand même. Hein. Tel les nombres. Quand mon cher, forcément le cher orang-outan, passe le mur et sans crier gare, se passait un peu la même chose que pour notre pauvre tortue. Très bien. Deux flèches sifflent. Et par chance, il paraît que moi, c'est mon pote, lui. Attends, ouais. C'est deux flèches, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul. Ils sont deux à tirer et deux flèches sifflent et finissent dans la terre, non loin de toi. Et peut-être pense-t-il que c'est la même personne de tout à l'heure. L'intrus est par là. Et puis, tu vois des torches qui commencent à courir dans ta direction, mon cher. Orang-outan, que fais-tu? Ah bah parfait, moi je trace, du coup j'essaye de mettre le plus de distance entre eux et saute des murs, et je fonce jusqu'à ce qu'il y ait une sorte, jusqu'à la frondaison des arbres, quoi. Donc, je cours, quoi. Je fais un test de déplacement. Ah, ils sont pas doués avec leurs arcs, autant que vous, vous êtes doués en furtivité, quoi. Oh ah bah, tu vois, ça marche mieux avec 2D, en fait. Je vais faire des trucs d'intelligence. Tu cours à te dépenser toute ton énergie. C'est essoufflé que tu arrives à te dissimuler. Au moins toute cette... je ne sais pas. Tout ce... Glorious Troop. Ouais. Ce charivari n'a pas cette été... infiltration réussie. N'a pas été des plus discrets, mais au moins... ça a semblé détourner suffisamment l'attention pour que notre cher Saul des Murs, qui jusqu'ici a énormément plus de succès que le reste de l'équipe, il faut l'avouer, hein, tu remontes à peu près une dizaine de mètres derrière les lignes de la clôture. Armé de ton fusil IEM et au couvert de l'obscurité. Toutes les intentions sont portées sur un orang-outan qui court vers les arbres et tu peux t'éloigner tranquillement sans aucun problème. Dis-nous ce que tu fais, sur les murs. C'est le moment. Pardon. Ben, il fait nuit. C'est pas trop bon de rester dehors la nuit, je crois. Ben, pas plus que le jour, mais... Ouais, je vais essayer de retrouver... Mais attendez, moi je sais pas où est-ce qu'ils ont passé la journée, William et Ringo aussi. Aussi, parce qu'ils étaient à peu près à l'endroit où vous observiez au début le campement des chiens, ouais. Je vais essayer. J'ai vu qu'il s'éloignait. Enfin, j'ai. Oh, non. Je sais rien de ce qui s'est passé, en fait. Non, je suis du père. Mais puis là, vous êtes tous un peu dispersés. Là, il y avait 4 groupes de 1. Non, c'est faux. La tortue était avec le lézard. On reste en communauté. Bah, je vais reprendre la route vers l'hélico. Je pense. Et puis peut-être je les attendrai quelque part. Je dis, c'est l'endroit le plus logique où aller, finalement, non? Effectivement. Elias, toi, que fais-tu? Alors, pour le reste de la nuit, visiblement, quand même, il y a l'air d'avoir pas mal d'activités. Je vais retourner à ma planque. Pour attendre un peu que ça descende, les activités. Voire peut-être même attendre peut-être un jour de plus. Et ensuite, je repartirai du campement direction. J'essaierai quand même de les chercher avant aux alentours du camp.
puisque j'ai aucune idée de où ils sont au final maintenant. Et si jamais je les trouve pas, j'irai vers l'hélicoptère aussi. Ah, ça dépend, hein. Je pense que ça va dépendre si tu me dis un jour ou deux. C'est vrai que dans deux jours, à mon avis, ils seront plus là. Hein. sur une autre mission déjà. Je ne sais pas ce qu'ils comptent faire, mais dans deux jours, j'ai peur que les choses se soient tassées. En tout cas, il y a le mocha qui sera dans les cocotiers là, en train de se gratter les puces.